passe sa vie à dire merci. Merci à qui? À quoi? À faire la pluie. Et de bout en pour des enfants à qui l'on ment. Allez, on poursuit l'étude du morceau qui a le droit. Aujourd'hui, on aborde le refrain. Et le refrain reprend exactement les mêmes accords que l'introduction. Alors, effectivement, dans l'introduction, on avait des arpèges. Là, on va faire des accords plaqués. Donc, voilà, on va décomposer tous ces accords. Donc, premier accord, donc on est sur un accord de Sol majeur renversé. Voilà, avec ça aussi. Sur quatre temps. Deuxième accord, donc on est sur un accord de Sol majeur avec la basse Si. Sol, Si, Ré. Avec la basse Si, sur quatre temps. Troisième accord, on est sur l'accord de Do majeur renversé, donc Sol, Do, Mi, sur deux temps, puis Sol, Do, Mi, donc accord de Do avec la basse Si. Après, cinquième accord, on est sur un accord de La mineur renversé, Mi, La, Do, sur trois temps, et sur le quatrième temps, fait la basse Sol. Ça fait 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà nos 4 premières mesures. Je refais ça. Donc les 4 premières mesures. Donc. Deuxième mesure. Troisième mesure. Quatrième mesure. Notre septième accord qui est sur la cinquième mesure est le Ré majeur avec la basse Fa dièse. Ré, Fa dièse, La. Donc sur trois temps. Huitième accord sur un temps, c'est le Mi majeur. Mi, Sol dièse, Si avec la basse Sol dièse. Je refais cette cinquième mesure. Sixième mesure et neuvième accord, La mineur. C'est exactement comme le cinquième accord. Renversé, Mi, La, Do. Sur trois temps, et sur le quatrième temps, je fais la basse Sol. Donc c'est vraiment comme les cinq et sixième accords. Et pour conclure donc, accord numéro 11, regardez bien. Ré majeur suspendu. Et en douzième accord. Donc le Ré majeur suspendu, c'est Ré, Sol, La. On résout sur le Sol, on va le résoudre sur le Fa dièse. Mais je fais la basse. Fa dièse sur le douzième accord. Je refais ça. Voilà, sur deux temps à chaque fois. Je refais ça. Voilà. Alors, on refait une deuxième fois ce refrain. Et ce douzième accord, donc quand on refait le refrain, donc je vais vous le faire. Donc, on repart. Regarde bien. Et là, je refais donc toute la boucle, hein, tous mes accords. Fa dièse, je reste sur mon accord de Ré majeur normal.
Voilà, donc pour résumer, à la fin de ma première boucle, voilà, et quand je refais ma boucle, on conclut juste avec l'accord, sans faire la basse fa dièse. Voilà, allez, je refais tout une fois très lentement. C'est parti. Accord. Enfin, je vais faire plutôt les mesures. Mesure 1. On ne part pas comme ça. C'est parti. Mesure 2. Mesure 3. Mesure 4. Mesure 5. Mesure 6. Mesure 7. Voilà, ou donc quand on refait la boucle. Effectivement, soit on repart sur le couplet, soit effectivement on va conclure. Et ça sera l'objet d'une nouvelle vidéo, donc la conclusion du morceau. Allez, à la fin de cette vidéo, le récapitulatif des accords. À bientôt sur Tout au piano! Mesure 2. Mesure 3. Mesure 4. Mesure 5. Mesure 6. Mesure 7.